c'est mystique à toi. Babaoure Sawarogo qualifie le RCK pour le prochain tour de la Ligue des champions africaine. Le portier burkinabé a été très excellent hier en déplacement à Kumasi contre l'Asante Kotoko du Ghana. Également pour le Faso Foot, l'ASFA Yenega est le premier vainqueur de cette édition et le premier buteur de ce championnat qui démarre est de l'ASFA Yenega qui a signé une victoire en déplacement en terre bobolaise. Vous suivrez les autres résultats de cette première journée dans ce premier numéro Sport Time de la semaine. Amis sportifs, bonsoir et bienvenue sur ce plateau où je reçois le club Loguin Football Club de Thomas. Et oui, vous ne vous trompez pas, c'est bien de football dont nous parlons. On a des Samos sur le plateau, mais on ne parle pas de lutte. Ils savent jouer. Entre-temps, ils ont appris à jouer au football aussi. Et ils ne sont pas aussi mauvais que ça. En tout cas, on sait que pour l'instant, ils sont en troisième division et c'est une lutte pour monter. Tout le mal qu'on leur souhaite, c'est qu'ils montent très bientôt parce qu'on avait reçu le Real du Faso ici, qui était en division inférieure et qui est aujourd'hui en première division et qui a mal chicoté l'étoile filante de Ouagadougou pour la première journée. Sur ce plateau, le consultant maison, Madi Zongo. Madi, bonsoir. Bonsoir, Luc. En face de lui, on a également Ruffin Paré. Il est le représentant du président fondateur de l'Orguin Football Club. Ruffin, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Luc, merci pour l'invitation. Avec cette académie de football, nous avons l'entraîneur. Il y a bien un Ouédraogo du côté des Samo pour leur apprendre justement à taper dans le ballon. Il est avec ses éléments. Tout le long de l'émission, nous allons discuter des ambitions et des objectifs de ce club qui n'a même pas 5 ans. Nous ouvrons ce magazine avec cette victoire du RCK, je le disais en titre, Babaoure Sawadogo est l'auteur de cette victoire. Il a fait deux grands arrêts et il a marqué le tir victorieux. Donc, Babaoure, mais avant la séance des tirs au but, nous voyons cette belle réalisation de Dramane Kambou. C'était un coup franc bien exécuté. Et nous avons vu que l'attaquant des Faucons a pu loger la balle au fond des filets. Si la réalisation nous le permet, nous allons suivre ce coup franc de Dramane Kambou. C'est ce coup franc-là qui a permis au RCK de mettre les pendules à l'heure et de pouvoir se diriger tranquillement à la séance des tirs au but. Un coup franc qui a été rapidement inscrit, c'était à la première période et tout le jeu restant, l'Asante Kotoko a dû courir derrière l'égalisation devant un public acquis à sa cause, mais ça a été une cause vaine puisque le RCK est arrivé à la séance des tirs au but. Nous vivons maintenant la séance des tirs au but où on a eu un Babaoure héroïque. RCK de Amadou Sampo qui se qualifie grâce à Babaoure Sawadogo. Vous l'avez vu en image, il a arrêté deux tirs et on le disait il y a une semaine, on se demandait si Oscar Barrow, le sélectionneur du côté des étalons locaux, n'aurait pas dû le laisser pour cette séance de tirs au but aussi contre les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais ce jour, vers la fin du match, il a été sorti par le coach pour le faire remplacer par Mohamed Zégué Traoré. La suite, on le sait, le Burkina a été éliminé. Le Burkina n'ira pas au Chan. Nous avons vu sur ces images, il faut dire que l'Asante Kotoko a mis toutes les chances de son côté
pour gagner cette équipe burkinabé, mais ça n'a pas été le cas. Cette équipe ghanéenne, entraînée par Seydou Zerbo Dikrol, un burkinabé, mais il faut dire qu'avant d'arriver sur le terrain, le coach du Burkina, du RCK, s'est vu annoncer qu'il était positif à la Covid-19, donc il n'a pas pu être de la partie. C'est de loin qu'il a coaché son équipe, mais ça n'a pas empêché le RCK, les Faucons, de voler très haut. Il m'a dit que c'est déjà une bonne nouvelle en attendant la sortie de l'AS Douane contre le Real du Bamako. Oui. Les clubs burkinabés contre Kotoko, c'est une belle histoire, hein, parce que c'est le troisième club à sortir Kotoko. Et de la même manière d'ailleurs, tir au but, toujours. 79, Kadiogo, les Ghanais étaient venus gagner 1-0, un but de Opoku Afrié. Les Burkinabés partent gagner 89e minute d'Assira Modeste, tir au but, Laurent arrête deux pénaltys, comme Babayour, 4-2. La Sfa Yeninga en 91, c'est la même pareil, 0-0, aller 0-0, retour. Ibrahim Diarra arrête. Et ce soir, cette fois, c'est Babayour qui répète la tradition. Donc, désormais, quand on va tirer le Kotoko, ben, on dira que ben, c'est du pain béni. En tout cas, ils n'ont jamais pêché au chien. D'une façon générale, d'ailleurs, le football burkinabé réussit mal au Ghana. Hein. Même au Chan, rappelez-vous, à deux reprises, on les a sortis. Donc, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, pour nos clubs qu'on disait incapables de battre un grand d'Afrique, en tout cas, pour des histoires de moyens, d'organisation, etc. Tout à fait. Je pense que cette fois-ci, le RCK a montré qu'avec du cœur, parce que là, ils ont vraiment joué avec le cœur. Imaginez-vous, aller jouer le match, aller à Cotonou, le retour à Kumasi, après, avec tous les africanités qu'on puisse connaître, c'est une vraie bêtise de dire que Sampou a la Covid. Or, tout le monde, moi, je ne suis pas médecin, mais je sais que c'est faux. C'est comme ça, la Covid est devenue une arme en Afrique quand on veut jouer au football. Mais bravo RCK, ça ne les a pas empêchés de montrer que même l'entraîneur à distance, ben, y a de quoi faire un bon résultat et ils l'ont fait. Le RCK qui va affronter au tour suivant l'AS Vita Club, un club où il y a un autre portier burkinabé, il s'agit de Farid Ouédraogo. S'il est titulaire, en tout cas, ce sera le duel entre Babayour Sahorgo et Farid Ouédraogo. Là aussi, je pense que RCK peut s'inspirer de l'IFO, hein, parce que l'IFO avait éliminé Vita Club, voilà, avec Soura qui avait arrêté un pénalty aussi. On espère que l'histoire va se répéter pour le RCK, voilà, le représentant burkinabé en Ligue des champions africaine. D'autres burkinabés se sont qualifiés également. Il s'agit de Mohamed Lamine Ouattara et de Zakaria Sanogo du côté de la JS Kabylie. Ils se sont imposés 3-0. Mohamed Lamine Ouattara a pu jouer cette partie, mais Zakaria Sanogo, lui, n'a pas pu. Il était du côté du Burkina, semble-t-il, pour des questions de papier. Il faut signaler également la qualification de Stéphane Aziz qui, oui, sa mot sont à l'honneur aujourd'hui. Lui aussi, il joue et il marque. Et ils ont gagné 5-0, ils sont qualifiés. Une bonne nouvelle, en tout cas, pour les internationaux au burkinabé en Ligue des champions. Alors, je parlais tout de suite de Stéphane Aziz qui, c'est vrai que il faut que je fasse la passe à un autre Samo, Ruffin Paré. Alors, parlez-nous de Loguin Football Club. C'est quoi d'abord Loguin Football Club? Ben, Loguin Football Club, c'est un club de football. Et comme vous l'avez dit, c'est un club qui a été créé en 2019 par la volonté d'anciens footballeurs, notamment le président Jacques Dalla, qui était un excellent attaquant. Qui connaît bien Thomas, qui connaît le secteur, c'est que c'était un excellent buteur. Et avec d'autres, ils ont voulu quand même que... C'est vrai que les Samos sont connus étant de grands lutteurs, mais on a voulu prouver que nous, en matière de football et en matière de sport, on est polyvalent. Donc il fallait aussi mettre en place quelque chose qui va permettre quand même de faire une certaine... une visée, un clin d'œil aussi au football. Et en 2019, le club a été créé. En 2020, on a effectué toutes les formalités pour avoir une reconnaissance officielle. Et Dieu merci, en 2021, le club a été officiellement affilié. Et aujourd'hui, nous sommes en règle pour mener toutes nos activités. Et bon, en tout cas, on est là. Et on va montrer aux Mossi qu'en fait, en plus de savoir lutter, nous savons faire aussi du football.
On espère que de ce côté-là, en tout cas, vous allez avoir beaucoup de médailles aussi comme en lutte, parce que les Samoans, on les connaît seulement dans l'arène. Hein. On ne savait pas qu'ils avaient d'autres talents. Pour le championnat de 3e division, le club était à Dédougou pour disputer la phase régionale avec quelques résultats. C'était comment la position? Oui, mais en fait, vous savez, combien d'enfants qui apprennent à marcher, ils trébuchent pour le départ. Mais je pense que pour la saison sportive 2021-2022, c'était véritablement l'apprentissage pour nous. On a appris. Mais pour la saison sportive 2022-2023, on annonce beaucoup d'ambition pour aussi nous donner les moyens de notre politique. On a procédé à un recrutement. Et je pense que cette année, nous promettons beaucoup. La première ambition, c'est de pouvoir se qualifier au niveau de la phase régionale et ensuite la phase nationale pour espérer peut-être descendre et jouer la D2. Donc, c'est l'élite que nous sommes en train de combattre. Inch'Allah, okay. Nous allons y arriver. Alors, Coach Ouédraogo, dites-nous comment se passe la préparation à votre niveau. Vous êtes avec l'équipe senior et présentement, vous êtes à Ouagadougou, où vous livrez des matchs amicaux et tout, ça se passe comment? Bon, c'est, en fait, moi je suis le coach principal du centre de formation, puisque à la base, il y a le centre de formation et il y a le coach Sankara Dimanche qui s'occupe de l'équipe senior qui est basée à Ouaga. Voilà, donc c'est Sankara Dimanche qui a commencé la préparation. Ok, déjà, y a les autres catégories sont à Thomas. Voilà, c'est-à-dire les U15, les U17 et puis bon, les U20. Voilà, oh. On a envoyé quand même quelques joueurs des U20 qui vont jouer cette année avec l'équipe senior pour renforcer l'équipe. Ok, voilà. Super. Alors, coach Dimanche, vous avec vos seniors pour la montée en D2, ça promet? Oui, on a repris depuis le 29 août plutôt, par une préparation physique. Ça se passe bien. On sent la motivation de tous les joueurs. Comme le chargé de communication disait, on a essayé quand même de faire un recrutement aussi par compartiment pour essayer aussi de pallier les insuffisances de la saison dernière. Et nous pensons que cette année, voilà, nous allons pouvoir quand même atteindre nos objectifs. Donc nous sommes allés côté de l'Azo pour chercher Gerbo, qui est un Samo, qui va nous accompagner. Voilà, on est allé aussi du côté de Kaya chercher deux joueurs. Il y a l'international I-17 aussi, Madi Romba, qui était avec les étalons I-17 à l'IFOA, qui est parmi nous, avec d'autres jeunes aussi qui ont vraiment du gros potentiel, okay, pour nous accompagner afin que nous puissions atteindre nos objectifs. Ah ok, on le sait, la 3e division, c'est le creuset des centres de formation. Il n'y a pas de football d'élite aussi. Ces centres et ces écoles de foot n'existent pas et on espère que vous allez retrouver bientôt la 2e division. En ce qui concerne la 1ère division, elle a débuté depuis le vendredi du côté de Bobo Dioulasso où les académiciens de Bama recevaient la famille jaune et vert, l'ASFA Yenega. Il faut dire qu'après un passage d'une seule saison en 2e division, Raimo est monté et a fait une belle épopée, en tout cas pour la remontée en D1. On pensait que Raimo était sur cette lancée pour la réception de l'ASFA Yenega au Sadou Obi de Bobo Dioulasso. Mais on constate qu'au finish, c'est l'ASFA qui a eu le gain du match. Difficile rentrée des classes pour Raimo FC qui tombe à domicile 0-1 face à l'ASFA Yenega. L'expérience de la vieille dame, la touche tactique du coach Moussa Ouédraogo Di Mourinho et l'efficacité de ses garçons ont eu raison des académiciens de Bama, pourtant en maîtrise dans le jeu. En début de match, les garçons du coach ghanéen Moses Kofi mettent le pied sur le ballon, se procurent les meilleures occasions du match, mais manquent d'efficacité dans le dernier geste. À la pause, le score est de 0-0. De retour des vestiaires, Raimo FC confisque de nouveau le ballon, mais ne parvient pas à trouver le chemin des filets. L'ASFA Yenega résiste et sur sa véritable occasion de but du match, si Dieudonné Noufé ne tremble pas.
à la réception d'un ballon mal négocié par le portier de Raimo Moussa Traoré, l'expérimenté attaquant de la Soignerenga inscrit le premier but de la saison sportive 2022-2023 et l'unique but de ce match à la 61e minute de jeu. Malgré les tentatives de Raimo de recoller le score, la SFA ne craque pas et parvient à arracher les 3 points de la victoire. La vieille dame débute la nouvelle saison de la meilleure des manières à la grande satisfaction de son entraîneur. Je dis merci à Dieu pour cette belle victoire parce que c'était pas évident. C'était pas évident. Et jusqu'à la première journée, on n'a jamais eu l'équipe au complet. L'équipe de la soirée est là pour faire une séance. Voilà, donc on a toujours des blessés, on a toujours des absences. Mais je pense que les enfants ont montré qu'ils ont un cœur, qu'ils veulent jouer au foot. On a su défendre, on a su contrer, on a eu des occasions. On a montré qu'on a une très belle équipe, qu'on doit toujours compter et qu'il faut, même si le temps manque, c'est nous qui allons créer le temps pour pouvoir ficeler les autres aspects. On a gagné, on n'était pas totalement beau, mais sur le plan psychologique, on a une équipe formidable. Je dis bravo à ces jeunes. Raimo FC chute à domicile pour son grand retour dans l'élite. Un faux départ pour les académiciens de Bama, selon son coach adjoint. Clément Nyimassou rassure que ses poulains vont rebondir de la meilleure des manières dès la deuxième journée du championnat. On avait la possession, mais malheureusement, on a concédé un but où on n'a pas pu égaliser, qui nous a fait perdre le match. Donc, on n'a rien à dire. On va travailler plus pour essayer de revenir fort pour le prochain match. Les jeunes ont raté beaucoup d'occasions, mais c'est à nous de travailler dans les matchs à venir pour essayer de combler ces erreurs pour qu'on puisse gagner notre premier match et commencer bien notre championnat. Pour ce premier match de la saison sportive 2022-2023, les deux équipes ont produit du jeu, du spectacle et ont offert un but au public sportif de Bobo-Dioulasso. Un public des grands jours qui n'a pas voulu se faire compter ce premier match de la saison. Mais fait remarquable de ce match d'ouverture, c'est l'absence totale de banderoles et d'affiches publicitaires qui annoncent la reprise du championnat national de première division au Burkina Faso. Alors, Madi, l'ASFA qui réussit son entrée, un déplacement à Bobo, ce n'était pas évident. Hein. Mourinho l'a dit, Moussa Ouédraogo, l'ASFA n'a pas encore eu son équipe au complet, mais l'ASFA se débrouille pour le moment avec les moyens de bord. Oui, je pense que c'est plutôt du côté de Raimo qu'il faut voir, parce que ils sont passés avec une équipe quand même, à mon avis, beaucoup plus forte que les autres lors de leur passage en deuxième division, parce que quand même, je pense qu'ils ont laissé la deuxième équipe à près de 10 points pour passer. Donc, c'était une équipe qui avait une certaine cohésion. C'est vrai que ce n'est pas les mêmes réalités. Ensuite, ils ont eu une bonne préparation du côté de la Côte d'Ivoire et tout ça. Peut-être que c'est tout ça qu'ils n'ont pas encore digéré, parce que vous savez, quand vous travaillez longtemps aussi, les organismes ont besoin. Il n'y a que le coach aussi qui était avec le club toute la saison passée. Mouyouma est parti entre-temps. Oui, bon, mais je crois qu'il est parti très tôt quand même. Donc, le nouvel entraîneur a eu le temps de mettre sa patte avec Clément Nyimassou qui était déjà dans l'équipe la saison dernière. Non, je pense que c'est peut-être au niveau de la préparation. Les joueurs n'ont pas encore digéré. Peut-être que la réalité n'est pas la même. En deuxième division, vous n'avez pas autant de public. J'ai vu que les gradins étaient bien garnis. Même si ce sont des joueurs d'un certain niveau, ça peut vous perturber dès les premiers moments de la compétition. Autre terrain où le terrain était bien garni, il s'agit du stade municipal de Kourougou. À Kourougou, le public est sorti nombreux pour assister à la première victoire de l'équipe locale, l'ASEC de Kourougou, devant un public. L'ASFB en déplacement pensait quand même avoir fait la bonne affaire puisque jusqu'au temps additionnel, le score était nul et vierge. C'est à ce moment que les buffles de SIA vont céder Madina Sienou pour ce compte-rendu. Tout allait pourtant bien pour l'ASFB jusqu'à cette dernière action du match. Montée pour presser la SEC dans le temps additionnel, la défense bobolaise contient difficilement le retour des Kourougoulais. S'attendant à ce que l'arbitre arrête le jeu parce qu'ayant touché la balle, l'ASFB concède une faute lourde de conséquences. Alassane Belem rôdait à côté de Valentin Kouakou et il pousse la balle au fond des filets.
C'est l'unique but du match pour une victoire inespérée de l'ASEC de Kourougou. Sur l'action, le portier et le buteur ont deux versions différentes. Non, c'est pas un relâchement, vraiment. Il y a une faute. Puisque je prends le ballon, normalement dans la surface de récupération, là, le gardien est protégé. Mais je ne comprends pas l'arbitre. Il était mieux placé. Puisque l'action s'est passée juste sous ses yeux. Je prends le ballon et l'attaquant enlève le ballon dans ma main. Mais quand même, c'est décevant. Sur l'action, avant l'action, il y avait une balle en l'air, le gardien est parti, il a relâché et puis il est reparti prendre ça en deux temps. Donc, sur le but maintenant, j'ai senti que non, de la manière il est parti en haut, je savais qu'il allait relâcher. Donc, je me suis approché, dès qu'il a relâché, j'ai touché. Voilà. Faute ou pas, Valentin a transformé cette balle qui sortait en passe décisive pour Alassane Bellem monter quelques minutes avant. Souleymane, qui y croyait pourtant, sous le choc, il demande à ses joueurs de ne pas engager le ballon, mais l'arbitre va siffler la fin du match. Bon, moi, je pense qu'en un premier temps, le ballon a été touché par l'arbitre central. Il devait remettre le ballon en jeu, ce qui n'a pas été fait. Mais sur le but aussi, on voit clairement qu'il y avait une faute sur le gardien de but. Vraiment, ce n'est pas intéressant. Vu tout ce que nous avons fait comme match ce soir-là, je pense qu'on ne méritait pas de perdre sur une faute de l'arbitre. Déception de Kisolo, coach Chingayan de Bourema Kabore. Jusqu'à la fin, quand vous regardez la physionomie du match, vous savez que nous avons eu les meilleures occasions. On a dominé le match tout en deuxième mi-temps, on a eu des occasions. On a maîtrisé le match, on a dominé le match. Et on a cru jusqu'à la fin et puis Dieu merci, à la dernière minute, on a marqué le but suite à une faute de main du gardien. Je pense que c'est bon à prendre. C'est le premier match du championnat, il ne fallait pas passer à côté. Et Dieu merci, on a eu 3 points. Ça nous permettra quand même de corriger certaines erreurs et revenir prochainement. Le duel des jaunes et noirs a tourné à l'avantage de l'équipe locale qui arborait ses traditionnelles couleurs. Pour son premier match de la saison à domicile, la SEC a fait tribune pleine, seul bémol, la terre battue qui sert de terrain de jeu. Ce terrain ne favorise pas une belle circulation de la balle et dire que ce match était retransmis en direct dans le monde entier grâce à un projet FIFA dont a bénéficié la Fédération Burkinabé de football. Premier match, première victoire pour l'ASEC de Kourougou contre l'ASFB quand deux jaunes et noirs se rencontrent, l'autre se met en rouge et noir parce que l'ASFB, qui a la même couleur que l'ASEC de Kourougou, a dû se mettre en rouge-noir pour cette opposition. Madi, on va revenir sur deux actions de ce match-là. D'abord sur cette action où l'arbitre a touché le ballon. On peut le suivre si la réalisation. Voilà, sur cette lancée, il y a l'arbitre qui touche le ballon. Alors, que dit la loi de football dans une telle situation, Madi? Alors, ici, je crois que l'arbitre a eu un problème de déplacement. Ça, c'est clair. Ensuite, je crois que l'autre facteur, c'est que malheureusement, l'arbitre courait devant le ballon. Et il n'a pas pu voir les conséquences de son acte, du moins de la balle qu'il a touchée sur le jeu. Si on remet les images, voyez, vous remarquerez que le joueur qui est venu prendre le ballon était pratiquement derrière le défenseur. Et le fait que l'arbitre ait ralenti le ballon a permis à ce joueur d'accélérer pour récupérer. Donc ici, d'une manière ou d'une autre, l'arbitre a joué un certain rôle dans le déroulé de cette action-là, c'est indéniable. Ce n'est pas normal qu'un arbitre se retrouve au milieu de joueurs pareils. D'habitude, on conseille aux arbitres, sur des actions comme ça, d'aller à reculons. Ça les permet de voir le jeu. Or, lui, alors que la balle était toujours derrière lui, il sprintait comme si c'était pour rattraper une contre-attaque. Et après, bon, il n'a pas vu ce qui s'est passé derrière, il n'a pas Dieu sur la nuque, derrière la nuque, c'est normal. Okay. Donc, il ne pouvait pas avoir comment les deux joueurs, au niveau du duel, l'autre a été battu pour qu'il prenne le ballon. Mais, généralement, on dit que quand l'arbitre touche le ballon comme ça, on arrête pour faire balle à terre. Mais peut-être que l'arbitre a supposé, et je le dis toujours, ce sont les conséquences du fait qu'il n'a pas vu ce qui s'est passé derrière lui. Il s'est dit que le fait que lui, il ait touché le ballon n'a pas changé la trajectoire ou n'a pas défavorisé l'équipe attaquante qui était donc la SEC de Kourougou. C'est pour ça qu'il a laissé l'action continuer. Vous voyez, il a tendu sa main pour dire le jeu continue. En tout cas, Kisolo n'était pas de son avis puisque pour lui, le jeu
devait être arrêté pour remettre la balle en jeu plus tard. Sur la continuité, l'ASFB va commettre une faute et c'est sur ce coup franc que Valentin Kouakou va relâcher la balle. Là aussi, le gardien, il avoue qu'il a été rudoyé par l'attaquant de Koudougou. Madi, on voit aussi sur cette image, il relâche ou bien il y a faute. Alors là, c'est vraiment discutable. Discutable. Parce que quand il monte, on sent qu'il ne maîtrise pas tout de suite le ballon. Il a pris la balle en deux temps. Mais maintenant, est-ce qu'en chutant, il a relâché le ballon? Là, c'est difficile à voir. Mais je pense que la position de l'arbitre, il était quand même très près de l'action, vous voyez, pratiquement à 5-6, même pas à 5 mètres. L'arbitre aurait pu décider. Si l'arbitre n'a pas décidé, c'est qu'en son âme et conscience, c'est un arbitre comme ça, un arbitre en son âme et conscience, il a trouvé que l'arbitre, le gardien a lâché le ballon, donc l'attaquant pouvait profiter. Autrement, en revoyant, le gardien a eu du mal à maîtriser la balle. Peut-être qu'en rechutant, il a dû lâcher. Et ça, c'est l'arbitre seul qui peut. En tout cas, l'ASFB dit avoir été une double victime sur ces deux actions. Mmh. Parce que d'abord, l'arbitre qui n'arrête pas, malgré qu'il ait touché la balle, et puis le gardien qui est chargé. Donc, zéro point au compteur pour ce déplacement de Koudougou. Mais l'ASFB ne désespère pas. Avec son président Cheikh Traoré, l'ASFB promet partir retravailler pour revenir encore plus forte. Et il y a ce geste-là d'un supporter de l'ASEC de Koudougou qui a été salué. C'était à la mi-temps, un supporter pas comme les autres. Lui, en plus de donner de la voix avec le reste du public, il a décidé de faire un don au club pour l'aider à atteindre ses ambitions. C'est connu, les supporters de Koudougou donnent de la voix à chaque match. Une présence qui motive les joueurs. Supporter c'est bien, mais accompagner le club avec du matériel c'est encore mieux. C'est le sens donné par Issiaka Kabore du Chakoul qui apporte son soutien à l'ASEC avec un équipement sportif. Au-delà de la nature du don, c'est un geste qui se veut interpellateur. J'ai l'habitude de dire que si chaque supporter envoie un seul matériel de football pour accompagner l'équipe, alors les dirigeants auront quand même une certaine facilité pour recouvrir le budget qui au fil de la saison. Donc pour moi c'est vraiment un geste et c'est pas fini. Nous comptons, si Dieu nous donne la santé et les moyens, nous comptons revenir avec d'autres dons pour accompagner les animateurs au niveau des supporters et des animateurs de la SEC de Koudougou. Donc c'est ce geste-là qui nous amène aujourd'hui. Et comme c'est le lancement, nous avons trouvé l'opportunité de venir faire cela pour montrer à tous les Koudougoulais, amis et sympathisants de la SEC de Koudougou, que c'est bon de critiquer, c'est bon d'insulter, c'est bien de venir au stade, mais c'est encore plus bon alors, de venir avec quelque chose pour encourager et apporter notre soutien au président du club et partant de là, l'ensemble du bureau exécutif. Kouiluga Fulgence Nana, président de l'ASEC, n'espérait pas mieux. Pour lui, les ressortissants de la région devraient tous soutenir le seul bébé évolué en première division. Je pense que de telles initiatives-là, nous avons autant besoin parce que vous savez que, évidemment, comme je vous dis toujours, l'ASEC a eu des difficultés. Aujourd'hui, nous sommes là et nous avons décidé d'aller avec eux. Vraiment, je pense que c'est une occasion aussi pour remercier tous les supporters qui, de près ou de loin, accompagnent l'équipe comme ils peuvent. Et nous encourageons et nous sollicitons encore toujours cela parce que ça y va de l'intérêt de notre région, de notre province, de notre commune. Ce don de Issiaka Kabore a porté chance à son équipe qui a signé sa première victoire à domicile. Alors, Ruffin Paré, dis-nous, l'Orguin Football Club s'est donné quels moyens pour atteindre ses objectifs? Ben, beaucoup de moyens. Parce qu'on dit qu'il veut aller les menaces à monture. D'abord, nous, on a essayé de tisser notre toile à partir des partenariats. Voilà, on a beaucoup de partenaires qui nous accompagnent. C'est l'occasion de leur dire merci. On peut faire la publicité. Et aussi, nous comptons sur voilà, nos amis, nos frères. Déjà, c'est une occasion que vous nous donnez en venant parler du club ce soir. Ben, c'est déjà une opportunité. À vous le merci à la maison, la télévision BF1. Et nous souhaitons que d'autres médias puissent nous offrir l'opportunité pour qu'on puisse parler de notre club. Et vous savez, ben,
comme on le dit toujours, les Samos, c'est la lutte. Nous, on voudrait qu'on parle aussi des Samos en matière de football. Donc, toutes les occasions sont bonnes pour nous. Et Inch'Allah, avec l'accompagnement des autorités aussi au niveau provincial, qu'au niveau régional, même national, nous pensons faire des merveilles avec ce que nous avons commencé. En tout cas, on sait qu'il y a des Samos entraîneurs, il y a les Assimi Zerbo, il y a Seydou Zerbo, Dikrol, il y a Drabo, ils sont nombreux. Ils peuvent vous soutenir. On demande en tout cas au public de Thomas de donner un bon coup de main à cette équipe-là qui est la sienne. Même si c'est avec du Yantoro, c'est du remontant, l'équipe pourra aller loin. Sinon, l'équipe va sombrer comme l'équipe voisine, le Sourou Sport, parce qu'on se souvient qu'une année, ça n'a pas été facile là-bas. Le soir et puis l'alcool ne colle pas. Hein. Oh, j'ai parlé de Yantoro, je n'ai pas parlé d'alcool. Donc, entre-temps, si vous pouvez définir tout ce que j'ai dit, on va se retrouver. Nous parlons d'une autre victoire de cette première journée. Il n'y a pas eu beaucoup de victoires, hein. 4 seulement. C'est une qui a été enregistrée du côté de Bobo Dioulasso, mais cette fois-ci en faveur d'une équipe bobolaise. Le Racing Club de Bobo était face à l'USFA, l'Union sportive des forces armées. Et c'est un Racing amené par Oscar Barrault qui a pris le dessus sur l'équipe militaire. Le Racing Club de Bobo Dioulasso réussit sa rentrée des classes en venant à bout de l'Union sportive des forces armées. Pour son grand retour sur le banc du RCB, la touche du technicien national Oscar Barrault est déjà perceptible dans le jeu des Tigres de Diaradougou. Et pourtant, les Bobolais débutent mal ce match. À la 21e minute de jeu, sur une double erreur de la défense du RCB, le SPA obtient un pénalty. Proposé au tir, Maxime Ouattara ne tremble pas et ouvre le score pour son équipe. La réaction du RCB ne se fait pas attendre. À la 27e minute de jeu, sur cette belle envolée, Christian Sanou ne laisse aucune chance au portier des militaires. Le score à la pause est de 1-1. À la reprise, les deux équipes tentent chacune de prendre l'avantage au score. D'abord le RCB, puis l'USFA. Tigres et militaires se tiennent à la culotte jusqu'à la 88e minute de jeu. À la réception d'une passe intelligente de Charles Saint-Pourré, Sekou Junior Diabaté donne la victoire à son équipe. Très bon à prendre, d'autant plus que c'est la reprise. Donc toutes les équipes recherchent leur marque. Je pense que si nous commençons par une victoire, c'est une très bonne chose pour nous. Ça va nous mettre davantage en confiance pour continuer à travailler. En remontant le but, je pense que ça nous a davantage permis de rester dans notre stratégie, de continuer à élaborer ce qu'on avait prévu, même si ce n'était pas du tout parfait, et aller chercher le second but en faisant les remplacements nécessaires et vers la fin du match. Et ça va nous permettre de dormir peut-être tranquillement cette semaine avant d'entamer la semaine prochaine. Le SFA tombe les armes à la main devant le réalisme de son adversaire du jour, reconnaît son coach. C'est un match où chaque équipe a eu son temps fort. Dans nos temps forts, là, on n'a pas pu concrétiser les occasions de but. Voilà, et l'adversaire a été réaliste devant les buts. Donc, bon, bravo à eux pour la victoire. Nous, on va travailler davantage. On va continuer à travailler parce que le championnat est long. Voilà, c'est notre première journée. Voilà, mais les jeunes, ils sont rentrés dedans. On n'a pas été ridicule dans le contenu. Donc, je pense que ce sont des aspects et des petits détails qu'il faut améliorer et on va être présent pour les prochaines journées. Avec cette première victoire de la saison, le RCB est co-leader du championnat national de première division. Une victoire que les Tigres de Diaradougou vont tenter de confirmer face au RCK à Ouagadougou lors de la deuxième journée. Ici, les victoires s'applaudissent comme le fait si bien l'Orguin Football Club. Pour les nuls, en tout cas, on ne sait pas ce qu'on va faire, mais bon, on espère des buts pour chaque édition. Nous parlons de ce choc-là parce que la Ligue de football l'avait annoncé comme le choc de la première journée. Nous tous, on s'était dit, mais c'est pas la peine. L'Étoile filante qui joue contre le Real du Faso promu, on s'est dit, l'Étoile allait en faire d'une bouffée, mais la Ligue avait bien raison de parler de choc puisque cette équipe promue-là a démontré qu'elle n'est pas venue pour faire de la figuration dans l'élite. L'EFO en a fait les frais. L'EFO a pris
un super but, ça a été sur coup franc. Je me demande si ce but n'égale pas la belle réalisation de Christian Sanou du côté de Bobo Dioulasso. Sandrine Zouri pour le compte-rendu. L'étoile filante de Ouagadougou s'assombrit face au Real du Faso. Pour sa première sortie, les Stélistes s'attendaient à une victoire ou encore à un nul quand on sait que sa rivale Las Fagnenenga a su négocier sa rencontre devant le Raimo FC. Real du Faso est faux, les académiciens ont su prendre les Stélistes. Très techniques et dynamiques sur le terrain, ils vont rapidement se signaler à la 12e minute. Sur ce coup franc magistral, Aziz Nikema met le public d'accord. Le but sonne l'étoile filante qui va commencer une course pour l'égalisation. Mais une course vaine malgré les nombreuses occasions. Il va frapper et tranquillement le gardien. Comme une étoile filante, l'EFO veut rafiler les trois points de la première journée. Félicitations à la jeune équipe qui vient de monter. Ils ont produit du bon football, c'est bien. Félicitations à eux. Président, la jeune équipe montre que cette année la tâche ne serait pas facile. Vous savez, le championnat, c'est 30 journées. Voilà. Donc il faut prendre ça comme ça. Parce que j'ai vu qu'il faut qu'on travaille devant les buts. On va s'acharner, c'est pas insurmontable. Promu cette année, le Real du Faso commence fort en battant l'étoile filante de Ouagadougou. Mais pour le staff technique, l'apprentissage continue. Nous sommes en train d'enseigner le football. C'est un centre de formation qui vient de monter. Nous avons commencé par l'apprentissage. Nous sommes allés en deuxième division avec l'amélioration et nous sommes en train de perfectionner ce que nous sommes en train de leur apprendre. C'est ça qui fait, si vous voyez, il y a des ratés, mais c'est l'enseignement aussi. Quand ils sont en train d'apprendre, ce n'est pas facile. Mais nous sommes contents de leur évolution et nous savons qu'avec les autres sur l'avenir, nous allons pouvoir les faire progresser mieux que ça. Non, nous jouons notre football. Si les résultats arrivent et que c'est une victoire, on remercie Dieu. Mais si c'est n'importe quel résultat, nous allons le prendre parce que nous sommes en train de former les enfants pour des professionnels. Je vous le redis, c'est pour que les enfants soient des professionnels. Mais c'est difficile, l'apprentissage, et nous comptons quand même, avec le temps, faire le reste. Avec cette belle sortie, les autres clubs sont avertis. Le Real du Faso n'est pas en première division pour la figuration. Promu cette année, il compte vraiment s'exprimer sur le terrain. L'EFO a intérêt à suivre de près le club Lorguin Football parce que c'est une équipe qui va monter bientôt. Ah, si les équipes promues là viennent terrasser quand même la Reine des Sades, il faut que la Reine des Sades commence à les suivre. M'a dit pour un promu, c'est bon à prendre. Oui, vous savez, les débuts de saison sont souvent difficiles, hein, surtout pour des équipes qui se renouvellent régulièrement comme l'EFO. Ils ont changé, l'équipe a été refaite peut-être à 40%, peut-être même plus. Or que Real du Faso, c'est la continuité, comme tu l'as dit, depuis la 3e division, 2e. Donc, il y a des automatismes. Et forcément, si vous êtes en phase de rodage, comme peut l'être l'étoile filante, ben forcément, le résultat peut être en votre défaveur. Un match nul pour cette première journée. Il a été enregistré à Ouagadougou entre Salitas et Royal FC. Les Colombes de Ouagadougou 2000 n'ont pas pu prendre leur envol contre l'équipe bobolaise. Salitas était face à Royal FC du Bobo Dioulasso pour la première journée du championnat national de Ligue 1 le 17 septembre au stade municipal de Ouagadougou. Les Colombes de Ouagadougou 2000 qui ont assuré leur maintien la 30e journée, la saison dernière, voulaient bien entamer cet exercice 2022-2023. Le soutien de la troupe d'animation pouvait être un adjuvant. Sur la pelouse, les choses ont été plus compliquées malgré l'ambiance des gradins. Le nouvel entraîneur Armand Bassolé a aligné une équipe offensive conduite par les deux flèches Salif Bagaté et Chaban Kabore. Mais les cages du portier Mohamed Lanré Diarra de Royal resteront inviolées.
Oh, je dirais que mal à rentrer dans la compétition. Bon, beaucoup de regrets parce que je pense que chaque équipe a eu son temps fort. Et je pense qu'en première mi-temps, on s'est créé beaucoup d'occasions. On n'a pas pu les produire. Je pense que d'abord, c'est le plus important. Quand une équipe arrive à se créer des occasions, je pense que le reste va venir. Albert Frédéric Bambara, la tête pensante du Royal, livre les explications techniques de la mise en échec de Salitas. Au départ, Salitas jouait en 3-5-2. Donc, il fallait combler ce fossé. Mais quand on récupère, se propulser vers là-bas, là, souvent, on a des petites difficultés là-bas. Mais je pense que c'est dans ça qu'on va beaucoup travailler, la transition offensive. Pour la saison du Royal, l'ancien latéral droit des Étalons veut figurer au haut du tableau et le fait savoir. C'est des jeunes joueurs, mais il faut les apprendre à être ambitieux. Être ambitieux, là, ça veut dire aller de l'avant. Parce que si tu leur dis que c'est le métier, ça peut tomber plus bas. Moi, je cherche le haut du tableau. C'est clair et net. Lors de la deuxième journée, Salita se déplace à Bobo Dioulasso pour affronter Vitesse FC et Royal FC sera face à Majestic Sporting Club de Saponé. Oui, ce nul a été applaudi, mais il ne le sera plus parce que on encourage les buteurs, les attaquants à marquer et les gardiens aussi à faire de beaux arrêts. Les résultats complets de cette première journée, Raimo Asfa 0-1, ASEC ASFB 1-0 pour l'ASEC, Salitas Royal, vous l'avez suivi tout de suite, un match nul et vierge, un match nul et vierge également entre Majestic et l'AS Police du côté de Zignaré, Real du Faso qui a pris le dessus sur l'étoile filante de Ouagadougou, le RCB qui prend l'avantage 2-1 sur l'USFA, AS Douane Vitesse FC et AS Sounabel RCK, ces deux matchs ont été reportés parce que ces deux équipes sont les représentants burkinabés en campagne africaine. Donc, ces quatre équipes qui ont signé leur première victoire sont en tête du classement. Il s'agit du RCB, de l'ASEC, de l'ASFA et de Real du Faso. Les autres sont au bas du classement et des équipes qui n'ont pas encore joué sont même devant les Raimo, Étoiles Filantes, ASFB et autres. Avant l'entame de cette première journée, les supporters et les anciens joueurs de l'Étoile Filante de Ouagadougou et de l'ASFA Yenega ont donné le ton. Ça a été autour d'une belle partie, une partie plaisante au stade municipal Issoufou Joseph Konombo pour sympathiser avant de prendre d'assaut les gradins des stades burkinabés. Pour ces deux matchs entre les supporters d'abord et les légendes, c'est l'ASFA Yenega qui a pris le dessus sur l'ensemble. 3-0 pour les supporters de l'ASFA contre ceux de l'Étoile Filante de Ouagadougou et 2-0 pour les légendes asfasiennes devant les légendes stélistes. Avant le top départ de la Ligue 1, supporters et anciens joueurs de l'ASFA Yenenga et de l'Étoile Filante de Ouagadougou ont livré deux matchs de gala ce 14 septembre. Les supporters jaunes et verts, amenés par l'OTA, ont d'abord infligé un 3-0 aux supporters bleus et blancs amenés par Balaki. Victoire asphasienne, même si l'EFO va accuser sa rivale d'avoir aligné une équipe junior. Côté légende, on retrouve Bemba Touré, Alain Nana, Firmé Sanou, Tidiane Tal, Lakle, Ibrahim Diarra pour l'EFO. Brahima Traoré, Seydou Daganou, Mamadou Doumbia, Ali Diallo, Djibril Compaoré, Ibrahim Traoré d'Ibaya et Djibril Diallo pour l'ASFA Yenenga. Comme chez les supporters, c'est l'ASFA qui s'impose par 2-0. But de Seydou Daganou et de Mamadou Doumbia sur deux passes de Hamza Ouedraogo. Que c'est pas la même génération. Ceux-là viennent de raccrocher après. Il y a d'autres même qui ne nous ont pas vu jouer. Donc vous devrez nous féliciter. Parce qu'au moins, on reprend les crampons après 50 ans et on joue contre des jeunes de 35 ans, c'est pas la même chose. Donc c'est pas nous, on a vieilli plus que eux, nous sommes leurs corps et on doit nous féliciter. Et c'est l'initiative qui doit être vraiment félicitée et soutenue. C'est toujours bien de.
d'encore revoir ce qu'on a fait dans le passé. Et je pense que, franchement dit, tout le monde est content. Ce n'est pas le résultat qui compte, c'est le fait même de se retrouver qui est le plus important. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a certains adversaires d'hier que depuis des années qu'on ne s'est pas vu. Et grâce à ce match de gala, on a eu l'occasion de se revoir, d'avoir les nouvelles de tout un chacun. Moi, je pense que l'initiateur est à féliciter. L'organisateur, Seri Boiseau, est lui-même un ancien joueur des deux clubs rivaux. Grâce à son initiative, des anciennes gloires ont pu revivre des années de rivalité. Et les légendes, tu sais, on a assez d'anciens joueurs qu'on ne sait même pas où ils se trouvent. Voilà. Et moi, j'ai créé cette initiative pour qu'on puisse se retrouver en tant qu'anciens et qu'il y ait même la paix dans les équipes, que ce soit à l'EFO, que ce soit à l'ASFA, que les supporters puissent vraiment se croiser comme ça et puis jouer un match d'amitié et de frères. Voilà. Supporters et anciens joueurs de l'ASFA et de l'EFO ont ainsi lancé leur saison dans un fair play qu'on attend toute cette saison. En attendant le duel EFO-ASFA au niveau des clubs, ces deux derniers ont tourné à l'avantage de l'ASFA Yenenga. Alors, nous avons Franck Lassina Traoré au bout du fil, l'international burkinabé qui évolue depuis le Shakhtar Donetsk en championnat ukrainien. Est notre appelé aujourd'hui, puisque vous le savez, depuis un certain temps, notre émission s'intéresse aux internationaux. Cédric Badola a appelé, Dango Ouattara a appelé, et c'est le tour de Franck Lassina Traoré aujourd'hui. Ici, un retour après une longue absence due à une blessure. Il a retrouvé la pelouse, il a retrouvé la compétition. On sait qu'il a même marqué en Ligue des Champions contre le Red Bull Leipzig, ça a été une victoire 4-0 ce jour-là et qui a coûté même la place à l'entraîneur allemand. Franck Lassina, bonsoir. Bonsoir. Alors, très ravi de t'avoir au bout du fil. Franck, tous les Burkinabés espéraient ton retour. Tu as été le grand absent du côté de la CAN Cameroun 2021. On sait que si Franck était là, c'est clair, le Burkina allait faire mieux parce que c'est un serial buteur, comme on le dit. Franck, comment ça se passe aujourd'hui avec le club, le Shakhtar? À quelle étape vous êtes aujourd'hui? Tout d'abord, bonsoir à tout le monde sur le plateau. Je suis vraiment ravi de votre invitation. Et pour revenir, Franck, il se porte bien. L'équipe aussi se porte bien, vu les résultats en championnat et en Ligue des Champions. Je crois que l'adaptation est un peu compliquée, mais l'équipe s'en sort bien et on essaie de progresser de jour en jour. Alors, Franck, tu as fait un geste qui a été salué par le monde entier. On revient sur ce geste-là. Tu avais beaucoup d'opportunités, mais tu as décidé de rester avec le Shakhtar Donetsk malgré les offres qui étaient là. Pourquoi? Tout d'abord, par principe, par les valeurs inculquées et dans mon centre de formation Raimo et par ma famille aussi. On m'a toujours appris qu'il faut toujours être reconnaissant, même quand c'est compliqué. Tout d'abord, je vais revenir sur mon cas l'année passée. Ma situation était un peu plus compliquée à l'Ajax, donc c'est le Shakhtar qui m'a ouvert la porte et qui m'a offert le tapis rouge. Donc maintenant, et aussi quand je me suis blessé, ils m'ont soutenu du début jusqu'à la fin. Ma rééducation à Amsterdam et à Barcelone. Donc maintenant, je me sens redevable envers mon club et aussi par pur choix de carrière aussi. Parce que c'est un choix de carrière, c'est un choix de progresser. Je ne veux pas brûler les étapes, je veux aller tout doucement et gravir les échelons. Franck, c'est au cours d'un match de Ligue des Champions que tu as été blessé. Tu signes ton retour avec un but aussi en Ligue des Champions. Est-ce un signe du destin? Oui, un signe du destin et aussi la récompense d'un travail acharné et de tout mon staff aussi, mon entourage, de la bénédiction du peuple burkinabé. Et je pense que c'est une récompense qu'on espère que ça va continuer comme ça.
le but de Franck Lassine en Ligue des Champions pendant qu'on continue l'échange. Un but en Ligue des Champions, on t'attribue aussi un but au championnat. C'est le cas ou c'est comment? Ouais, sur le champ, ça m'était pas attribué, mais après, ils ont corrigé parce que la balle m'a touché. J'ai eu la chance, ça fait partie du foot et je crois que c'est bénéfique pour l'équipe. D'accord, pour un retour, un but en championnat, un but en Ligue des Champions. On l'a vu aussi pour cette lutte de Hubert Velud. Le coach l'a dit, après un entretien avec toi, vous avez décidé d'un commun accord que tu puisses avoir assez de temps de jeu. Pourquoi une telle décision? Comme le coach l'a expliqué, c'est juste un choix de précaution, comme l'équipe marche bien. L'équipe marchait bien avant cette trêve. Et aussi, Franck doit avoir plus de temps de jeu en club et pouvoir confirmer plus pour pouvoir revenir. Mais comme ce sont des matchs amicaux, et je pense que Franck va revenir plus vite. On voit que le Shakhtar est présentement deuxième du championnat ukrainien. Vous avez le même nombre de points que l'équipe Colosse, si je ne m'abuse, qui est en tête aussi. Donc, 4 matchs, 3 victoires, 1 nul. L'objectif cette saison, c'est d'être ce grand Shakhtar-là. Obligé. Parce que c'est un grand club, on a toujours des objectifs. Même si la majorité de nos joueurs de l'année passée sont partis. Et on a su se reconstruire, on a su se relever et je pense qu'on va se battre jusqu'au bout encore. Alors Franck, tu as signé ton retour avec aussi un autre Traoré, Bertrand Traoré, lui aussi après une blessure. Lui aussi, il retrouve de la compétition, un but en championnat, un but en conférence Ligue. Ça, c'est en division un peu inférieure, mais en tout cas, il revient comme toi. Et également une pépite montante d'Ango Ouattara. Quels sont vos rapports présentement en Europe? Tu les suis? Je pense que presque tout le monde, je m'entends avec presque tout le monde, j'échange avec presque tout le monde. Bertrand, je suis ravi pour lui parce qu'il a traversé des moments difficiles. Il est en train de revenir en force et je crois que c'est un exemple pour nous tous. C'est lui, il a montré le chemin et nous sommes en train de suivre ce que Dango fait, ce que moi, je suis en train de faire ce que Issa, Edmond, ils font. Je pense que Bertrand a déjà fait ce parcours. Donc, on doit suivre son exemple et puis essayer de faire mieux encore. C'est bénéfique pour l'équipe nationale. Et je profite de ça pour encourager tous les autres. Dango qui fait une saison, une saison magnifique et les autres aussi. OK. Merci, Franck, d'avoir répondu à notre appel. J'ai un service personnel à te demander. Vous allez jouer contre le Real Madrid. Voilà, je vais te demander personnellement de ne pas laisser Vinicius, Rodrigo, Valverde. Bon, fais le boulot, fais le job. Nous, on est ici. Le reste, on assure. Hein. D'accord. Mais pour moi, c'est essayer de dépasser Rudiger, Militao et Carvajal. Mais à votre souci. Merci. Voilà, Franck, qu'on avait au bout du fil. C'est bien d'avoir de la compétition, c'est bien d'être au haut niveau. Lui aussi, il est passé par un centre de formation comme l'Orguin Football Club. Aujourd'hui, il brille, il représente le Burkina et il joue avec les grands. La Maison Blanche du moins, excusez, appelée Real Madrid, va croiser le crampon contre l'équipe du Burkinabé. Et tout le Burkina Faso supporte le Shakhtar Donetsk ce jour-là. Il n'y a pas de Real qui vaille, n'est-ce pas? Ah oui, mais ça, merci à Laurien d'être passé sur ce plateau. On a été très ravis. Le temps nous a manqué, mais on aura d'autres occasions, n'est-ce pas? Parce qu'on sait que le superviseur Ouédraogo avec le coach dimanche, avec l'ensemble des joueurs, vous allez gagner des matchs. Et à chaque fois que vous gagnez, nous, on ne fait que répercuter cette grande action. Mais on va terminer sur cette image-là de nos internationaux. Dango Ouattara, on parle de lui. À chaque semaine, on parle de lui. Il a encore frappé. Ce week-end, on va voir ces images. Il a été le premier buteur contre l'AC, la JOCR. Et c'était la 4e victoire d'affilée du FC Lorient. Et Dango qui ne cesse de frapper. Mais avant, Bertrand Traoré avait pu signer son premier but en conférence Ligue. C'était ce jour-là 3-0 pour Başakşehir d'Istanbul.
Et ensuite, on a eu cette rencontre où Dango Ouattara a marqué son 4e but de la saison. Et ses stats sont énormes, 4 buts, 4 passes décisives en 8 matchs. Il fait partie des meilleurs présentement en Europe. Dango Ouattara, on le classe même 5e parmi les joueurs les plus décisifs dans les 5 grands championnats européens. En tête, on a Neymar, Haaland ensuite, Messi, Lewandowski et Dango Ouattara. Ça vaut des applaudissements, n'est-ce pas? Donc, c'est un Dango énorme. D'autres même le surnomment déjà Dang Ho, comme quelqu'un qui s'élève. Et c'est tout pour ce numéro de la semaine. On se retrouve lundi avec d'autres actualités sportives. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.